Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Hearthstone. Et je vais continuer toujours. Alors vous voyez les missions qui s'affichent. Jouer une carte légendaire de forger dans les terrines 3 fois. Gagner 5 parties en mode classé du mode traditionnel de Hearthstone. Dépenser 500 cristaux de mana. Il y a des petites missions qui continuent avec des quêtes, avec de l'expérience à gagner. C'est vrai que j'ai arrêté de les faire depuis pas mal de temps. Je me mettrai peut-être dessus dans une prochaine vidéo. Pour récupérer un maximum de bonus et de pièces d'or. C'est vrai que j'ai surtout été dans le mode mercenaire et puis récemment je me suis remis je suis resté toujours dans le mode champ de bataille. Comme vous pouvez le voir, je suis arrivé maintenant, j'ai 82 premières places, 899 top 4, 6587 là en cote. Après la mise à jour et les nouveaux effets des serviteurs, j'ai pu remonter quasiment au même niveau en termes de cotation que ce que j'avais avant cette mise à jour. Donc c'est plutôt intéressant. Les amis, écoutez, je vais repartir pour des combats et vous faire découvrir un maximum ces personnages, ces serviteurs qui sont quand même super intéressants. Il y a quand même un nouvel effet supplémentaire qui est vraiment 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 sympa à jouer. Ben, si je trouve un adversaire, parce que là, comme c'est parti. Enfin, un ou plusieurs, parce qu'il faut être, de toute façon, faut être 8 pour jouer, hein. Même si des fois on commence des parties, on est moins nombreux. Bon, je vais annuler, relancer, allez. Ah, j'ai été déconnecté. Oh bah oui, c'est pas cool, hein. Des fois ça bug comme ça aussi, bon. Allez, c'est parti. Ça y est, la libération. Alors, 4 serviteurs. Oh, lui je l'aime bien aussi. Avec son Furie des Vents, il est vraiment sympa, effet passif aussi. Ça peut être vraiment sympa. Après, il y a Dragon, Démon, Murloc, Pirate, Élémentaire. Ah, il n'y a que les démons, il n'y a pas les bêtes. Donc, peut-être jouer lui en premier. Ah, les pirates, ça peut être pas mal aussi à jouer. Lui aussi il est pas mal. Peut-être plus. C'est des serviteurs qui sont pas mal. Bon, que faire? Je vais prendre lui pour aller le plus loin possible. Et puis ça va être quand même plus intéressant. Et voilà 7 nouveaux adversaires. Préparez vos combats. Ouh, bon, c'est encore mieux parce que alors là, je vais jouer les dragons. Il y a des Uranes ou pas? Non, il n'y a pas les Uranes, ah mince. Bon. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, mais ouais. Disons que les dragons, ils peuvent être sympas si je peux les faire progresser. Mais comme il n'y a pas de Uran pour gagner des gemmes, ça va être compliqué. Il va falloir que je trouve une autre solution. Je vous souhaite un bon Je vais combat. pas pouvoir faire progresser cela. Donc ça va me permettre d'aller un peu plus loin dans le jeu. Pas trop perdre de vie, mais après, à un moment, je vais être coincé de toute façon. Donc il va falloir que je me développe beaucoup plus.
prendre la deuxième bien. Comme gêné. Disons que les dragons, moi j'ai remarqué, hein, au départ vous mettez un carton, vous gênez beaucoup vos adversaires qui perdent des points de vie, mais le problème c'est qu'eux ils se développent, et à un moment ils se sont développés, et vous êtes coincé, vous vous êtes pas développé. Donc ça c'est le gros défaut des dragons, c'est-à-dire qu'il va falloir aller très très haut au niveau 6, mais le problème c'est que pour être performant, il faut rester dans les niveaux bas comme ça, pour être performant face aux adversaires, et puis après, le temps que vous arriviez au niveau 6, vous êtes un peu coincé en fait. Vraiment bien. Tout simplement. Ou alors je change, je me mets aux élémentaires. C'est un choix où je me mets aux élémentaires. Bon, je vais pas prendre de risque quand même. Et je vais les geler. Effectivement, puisque c'est un élémentaire que je vais avoir. Il va falloir basculer sur les élémentaires, ce sera peut-être plus judicieux en fait. Vous vous débrouillez vraiment bien. Par contre lui il était déjà niveau 4 niveau 2 pardon. Il va monter niveau 3, ouais, il faut moi je change là, c'est pas possible. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Alors on va changer. Ah là bien. Je vais geler et je vais récupérer lui l'élémentaire lui au prochain tour. Parce que comme ça, il rajoute des plus 1 à chaque fois, plus 1 d'attaque, plus 1 de vie à un autre élémentaire aléatoire à chaque fois que je joue un élémentaire. Ça, c'est super, super, super important, les amis. Surtout quand je vais récupérer l'élémentaire suivant de mon personnage. Donc, effectivement, il faut que je me recentre sur les élémentaires pour aller plus loin dans le jeu. Alors, verdict. Après, en changeant de niveau, comme pouvoir mon chromail évolutif double en attaque. Donc ça, c'est pas mal aussi. Vu que j'ai Furie des Vents, c'est pas mal. Voilà. Je m'en sors à nouveau et je me rapproche des 100%. C'est plutôt intéressant, les amis. Alors là, je vais récupérer lui. Là, ouais, là, il n'y a pas le choix. Je n'en ai pas eu d'autres. Qu'est-ce que je fais? Peut-être jouer ça. C'est peut-être plus prudent. Ça, c'est pas mal. C'était plutôt pas mal ça. Je vais les inverser. On va voir ce que ça va donner. C'est vrai que c'est parfois
aussi pénalisant de changer de ra de enfin de race, de catégorie de serviteur pendant un combat. C'est ça peut être Mauvaises je entrées, dirais c'est dans la bénéfique, mais il poche. faut faire attention. Il a déjà son serviteur principal. Ça c'est pas mal. Bon, ça a été beaucoup plus compliqué. La différence c'est que lui, avec Râle d'Agonie, il donne bouclier et provocation à un serviteur aléatoire. Donc ça, ça sera J'ai une de autre nouvelles paire recrues à vous de proposer. manches. Ouh, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais prendre lui. Ah, super, j'ai eu lui. Donc je vais pouvoir le mettre. Allez, on y va. Vous avez soif? Lui avant. J'ai pas été très malin sur ce coup-là. Voilà, c'est mieux. Est-ce que je prends le risque? Allez, on y va, on va. Combien de sucre? Moi, il n'y a rien eu de spécial. Voilà, je me suis recentré sur les élémentaires avec lui en point d'orgue, qui va être très important. Je vous souhaite un bon combat. Ah, j'ai bien progressé, je suis plutôt content là. Ah, ça c'est pas mal. Ah, ça c'est vraiment bien. Continue à me développer maintenant avec les élémentaires. D'autres défaites qui ne vous détruisent pas. Ça commence pas bien. Vous rend plus fort. Faut que j'aille au niveau d'après. Qu'est-ce que j'ai là? Je prends le risque. Allez, bah rien. Voilà, c'est déjà mieux. Alors ça, c'est pas mal du tout. Je pourrai en récupérer même un deuxième au tour d'après. Vraiment pas mal du tout. Bon après je vais m'enlever mes dragons hein, tout simplement, mais j'aurai quand même deux boucliers divins furie des vents, ça c'est bien, ça c'est bien. Effectivement lui il va pas mourir tout de suite, j'ai remarqué la partie d'avant j'avais pas d'adversaire assez fort et en fait il est pas mort, il serait mort, il aurait donné aussi le bouclier à un autre serviteur, ça aurait été pas mal. Alors on va voir ce que ça va donner, si je vais être efficace ou pas. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Ouais, ça se passe plutôt pas mal du tout hein, les amis là, franchement j'aurais pas cru. Ah. Puis je continue, je suis déjà à 40% et là après il donne à deux serviteurs différents. C'est vrai qu'il faut bien regarder la catégorie de serviteurs que l'on a là, c'est quand même important. Oh les trois, je vais faire un triplé, allez, hop, on va mettre ça. Ah,
Bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors... Dragon, démon... Ma colère du dragon est la vôtre. Je vais tenter quelque chose. Combien de tirs ? Comme ça. Ceux-là, c'est les serviteurs que je vais garder le plus. Oui, je tente un petit truc là, en fait, parce que je me dis, s'il prend bouclier divin et furie des vents, il va peut-être les avoir et les garder définitivement, en fait, lui. Ça, c'est intéressant. Eh oui. Vous vous débrouillez vraiment bien. Bon, j'ai perdu. Mais bon, on va voir. Content de vous voir. Est-ce que tout se passe bien ? Effectivement, il garde tous les... Regarde tout ça, donc ça c'est pas mal du tout. Ça aussi je vais prendre. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Je vais geler pour le prochain tour. C'est vrai que j'aurais aimé progresser plus, mais est-ce que je fais, je le fais pas. Le problème c'est que c'est très bien de les faire progresser encore un tour, eux deux là. Je vais garder comme ça, et on verra bien. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Le temps est écoulé. Oh non, j'ai pas de balle là-dessus. Ah oui, quand même, il est pénible lui, hein. Mais là j'ai marqué un temps d'arrêt, j'ai pas progressé. C'était pas très malin de ma part parce que là je vais perdre beaucoup. Je fais que perdre là, c'est pas bon. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Alors il faut quand même que je fasse. Oula, oula. Oula là. Là faut que je me développe beaucoup plus parce que sinon je vais être coincé, ça va pas du tout. Tant pis, je vais l'enlever parce que je vais pénaliser, ça va pas aller. Combien de tirs ? N'importe quoi là. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi, pas assez concentré. Attention, les amis, ne pas reproduire ce type d'erreur.
vous débrouillez vraiment bien. Bah voilà. Voilà, par contre là ça va être très compliqué là, parce que lui il est vachement plus fort que moi. Bah je vais perdre. Tout simplement les amis. Comment il a pu se développer autant? C'est un truc de fou. Il y a pas mal de niveau 5, pas mal. Bah voilà, c'est terminé. Voilà, même si j'avais mieux joué, c'était un jouable. Bon, 7ème, c'est pas terrible, hein. Franchement, c'est là, tomber sur un adversaire là, qui s'est vraiment développé, un truc de fou, hein. Bon, alors les serviteurs. Ouais. Donne aussi des PV. On va tenter ça, on va voir ce que ça donne. Peut-être jouer avec les démons, s'il y a les démons en possibilité, s'il n'y a pas les démons, ça sert à rien. J'ai même pas regardé, voilà, c'est une erreur de ma part. Quelle est votre stratégie cette fois, partenaire ? Il n'y a pas de démon, donc en fait mon pouvoir me sert à rien. Bon, on verra après. Essayer de garder un maximum. Maximum de points de vie. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Bon, ça permet de tester un nouveau serviteur, hein. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le but c'est d'avoir ce personnage en premier, le plus rapidement possible. Une fois que je l'aurai, après éventuellement j'utiliserai cette option. Je vais voir comment gérer. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Sur un os là. Non, c'est pas terrible ça. C'est pas terrible. L'important, du tout. Bon, c'est de vite se remettre en selle. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Je prends pas de risque. J'adore surfer les boys. On va pas prendre de risque.
Je vous souhaite un bon combat. Oula. Je gagne rien, c'est un truc de fou, je suis toujours à 42%. Oh 43%. Ah, ça se trouve le pourcentage, ce que j'ai jamais étudié, augmente en voilà. Fonction du niveau. Est-ce que tout se passe bien? Bon, on va faire ça. Exactly what you were looking for. Bon bah. Ha, on se lance des pics. Intéressant. Je suis parti pour jouer les pirates là, comme c'est parti. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Bon, j'ai pas reperdu plus de vie, mais je suis toujours en retard sur ce niveau-là. Eh ben... Vos serviteurs ont vraiment tout donné. La chance est de mon côté. Ok. Je l'ai, je vais voir ce que je vais faire. Est-ce que je reste sur les pirates ou pas? Plus intéressant de choper lui ou lui. Que faire? On va mettre lui. On veut putain. Ça va être plus intéressant quand même. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. C'est un truc de fou. Hein. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Engager ce serviteur vous permettra d'en fusionner trois. Alors...
Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Ah, ça y est. C'est pas mon jeu, on va dire, hein, les amis. Oh oh, vous passez à la vitesse supérieure. Ok. Ça me fait une belle jambe. Bon. La liche monstrueuse est arrivée. Ok, c'est très bien. Et je les perds plus. C'est pas mal du tout. Ok. Alors, je vais peut-être pouvoir un peu me développer là. Va falloir que je me dépêche par contre. Je connaissais pas ce personnage, mais il est très intéressant. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Je vais manger là. Bon, il faut que je me développe le plus vite possible. Content de vous voir. Est-ce que tout se passe bien? On va faire ça. La chance est de mon côté. J'aurais choisi le même. Code des pirates. Un autre pirate, je vais geler. Je vais faire comme ça en espérant me développer plus en avant. Ouais, en espérant. Bon. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Ah,
C'est catastrophique. Je vais encore perdre. Putain. Aïe, je suis à fond, mais je peux pas faire mieux là. Autant pour voir. Est-ce que tout se passe bien? Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Un choix tactique intéressant. La chance est de mon côté. On veut putain. On se lance des piques. On se lance des piques. J'ai essayé de me développer au maximum. Je vais apprendre encore. Ah, j'ai fait au maximum, hein. Ça, c'est... Une remontée est encore possible. Sort avec lui. Ça va être compliqué, les amis. Très compliqué. Voilà, c'est perdu. J'ai rien pu faire, mais c'est un truc de fou cette partie. Je suis tombé à chaque fois sur des adversaires plus forts que moi. Et pourtant, là, j'ai pu me développer beaucoup mieux, là. Mais je manquais de temps, on va dire. Et je finis 8ème. Oh. Je suis impressionné. Impressionné. Alors là, je sais pas quoi dire par ces deux parties. Bon. C'est pas mal ça. Pas mal aussi. Soit ça, soit ça. Allez, mais ça m'oblige à jouer les Uranes, mais bon. Ouais, ça c'est... Bon, allez, on y va. On va jouer celui-là. Ah, revoilà mon commandant préféré. Je suis prêt. Bien, c'est ça. Quand vous voulez. Je me nourris de votre colère. Ça commence pas super. C'est peut-être pas ma journée, tout simplement, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Hein.
Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Bon. Pourquoi 12% et moi 9%? Et là, c'est un truc que je comprends pas. En plus, s'il a pas gagné, c'est moi qui gagne. C'est vraiment sur votre lancée. Énervant, bon. Voilà, allez. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Vous vous débrouillez bien. Je vous souhaite un bon combat. Bon, ça se passe bien. Je suis à 54%. Faut que je continue comme ça. Vous vous débrouillez bien. Oh. On y va, hein. Je me nourris de votre colère. Oh oh, vous passez à la vitesse supérieure. Pas prendre celui-là, bon, tant pis, dommage. Ça ira pas avec mon personnage. Ah, c'est pas de bol ça. J'aurais aimé avoir le serviteur qui donne des gemmes à deux serviteurs autour de lui. À gauche et à droite, il donne une gemme à un aux deux. Comme ça, c'est pas mal. Surtout si ça me double avec le serviteur que je vais avoir. Pour l'instant, je voulais utiliser les gemmes. C'est pas mon... Ça se passe pas forcément comme j'avais prévu. C'est pas mon jeu, ma journée peut-être, on va voir, hein. C'est comme ça, c'est le jeu, hein. Ça monte, ça descend, les victoires, des défaites. J'ai remarqué, c'est par série. Continuez comme ça. Alors, verdict, toujours pas. Vous vous débrouillez bien. Il y en a un autre. C'est un truc de fou, j'en prends un autre. Hein. Je me nourris de votre colère. Change de gemme en plus. Un éboulement dément. Ouais, je vais tenter comme ça, on verra bien. On verra bien.
le mettre comme ça. Pour l'instant, je suis pas forcément satisfait de moi. Hein. Je dois vous avouer que je vivote. Je voulais plus partir sur les Uran, mais j'en ai pas. Ou très peu. Vous vous débrouillez vraiment bien. Ben voilà. Oula. Il fait vraiment rage, dites donc. La mort ne vous parle-t-elle pas? Il va falloir que je trouve quelque chose, parce que là, ils sont pas mal ces serviteurs, mais... Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. On dirait que vous pouvez obtenir un triplé gagnant. Bah, je tente. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. J'essaie d'en mettre un maximum parce que pas que je me fasse non plus complètement dégommer là, parce que sinon Mais... Zut, alors j'avais pas prévu ça. Ouf. Ouais, super. Oh bah j'ai perdu. Ah, je crois pas ça. J'aurais mis une gemme de plus, c'était bon. Est-ce que tout se passe bien? Ah, j'étais à fond, j'ai pas pu au bas. Bah, j'ai perdu une gemme bêtement, hein. Même deux, parce que je change de niveau. Je suis allé trop vite là. Mal joué, mal joué, mal joué, mal joué. Aïe aïe aïe, bon, on va rajouter une. Ah, l'idée c'est d'arriver à mettre ça sur des bêtes et sur la bête au niveau 4. Quand elle attaque, elle fait perdre des points de vie à deux serviteurs autour aussi. Je vais essayer de faire un alliage entre bête et élémentaire, même si aujourd'hui c'est pas mon jour, donc... Vous vous débrouillez vraiment bien. Là c'est carrément catastrophique. Lui
s'est vachement développé. Avec ce pouvoir avec les démons et les monstrueux. L'important, c'est de vite se remettre en selle. Ouais, bah c'est fini, hein. Je vais finir dernier encore. Ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ah, je suis bien embêté là. Je suis complètement coincé. C'est un truc de fou. Je vais me faire dégommer par tout ce qui va bouger. Bon. De fou. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Il a le même pouvoir que moi, c'est marrant ça. Même pouvoir que moi, mais une situation pire que la mienne. Bon. Vous vous débrouillez bien. Allez, on va aller chercher l'autre. Un éboulement. C'est là que je vous attrape. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Qu'il reste sagement où il sent. Je vous souhaite un bon combat. Oh là là, bah c'est mort. Voilà, la partie est finie là, les amis. En plus il... Oh, j'ai vraiment pas de bol. Un truc de fou. Il m'attaque en premier mon truc, je peux rien faire. C'est un truc de fou. C'est pas ma journée du tout. Vraiment. Là, j'ai vraiment un enchaînement. Oh, bah je suis pas mort. Oh là là. On va aller voir ce que ça va donner. Mais plus que 6 points de vie. On sait jamais. Allez, on va faire ça. Je vais enlever lui. Je vais enlever lui. Hop. Qu'est-ce que je peux d'autre? Ah, il y a lui à récupérer encore. Bah ouais, mais là, je vais d'abord faire ça. Enlever lui.
faire ça. Restez là que je vous et puis là, il faut que je les mette. Faut que je fasse progresser tout ça quand même. Parce que... Je vais geler l'autre. Bon, ça me paraît complètement... Après, il y a déjà deux qui ont perdu avant moi, hein, les amis. Donc, bon, là, je joue contre lui, qui a des démons. Ah oui, c'est lui, là, qui m'a mis une raclée, non, le coup d'avant. Oh là là. Bon, je vais voir, mais ça me paraît très compromis. C'était pas ma journée, je pense. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, il y a des fois, comme ça, où... On voit bien en plus que l'autre joueur qui a utilisé le même serviteur est tombé dans le même embarras que moi avec une défaite beaucoup plus rapide. Donc c'est pas forcément un bon serviteur, voilà. Oulala, 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 ça va être compliqué là. Ah, et puis pour deux, c'est pas de bol, hein. Bah dommage. Ah par contre je suis surpris parce que ça s'est pas joué à grand chose. Mais bon, bah encore une défaite. Ouh. Waouh. Oh, c'est mieux que la 8ème place, la 6ème place c'est quand même mieux. Mais bon Ah là par contre c'est le personnage qui vaut pas le coup. Bah, clairement ça a pas été efficace. L'autre que j'ai pris avant, il valait le coup, mais le pot de bol, j'ai pas vu, j'ai pas regardé, il n'y avait pas de démon, donc bah forcément ça a été compliqué puisqu'il n'y avait pas de démon. Donc il trouve personne. Personne veut jouer avec moi. Je suis trop nul. Ah, déconnecté. Bon, on va relancer. Bah alors. Bah alors. Je vais essayer de voir ce qu'il propose. S'il y a un nouveau serviteur qui peut être sympa à jouer. Alors lui, ça m'intéresse pas du tout. Vengeance invoque un dragonnet chaque fois que vous en gagnez définitivement. Ça, ça peut être sympa à jouer. Vraiment sympa. Donne aussi des PV. Je vais jouer lui. Donne un. Oui, mais c'est qu'une fois. Allez, on va jouer ça. Ça, ça peut être sympa à jouer. Il va falloir que je recrute des serviteurs qui se démultiplient.
Quelle est votre stratégie cette fois, partenaire? L'important, c'est de jouer des serviteurs. Ce serviteur, il peut être pas mal du tout. Parce que la vengeance est au bout de 4, il me semble. D'accord. Puis les bêtes aussi sont pas mal, mais je suis pas sûr qu'il y a... Non, j'ai pas les bêtes. Autres, et ni les mechas. J'espère que vous allez gagner. Tu fais la même stratégie que moi, lui. Il a quoi, lui? Ah oui, des tours. Content de vous revoir. Est-ce que tout se passe bien? Voilà. Moi, je prends pile les serviteurs qui vont me convenir. Après, on verra. J'espère que je ferai une meilleure partie que les autres parties. Là, c'est, En même temps, j'ai pris des personnages différents. Comme ça, ça permet à chacun de se faire une idée sur qu'il faut faire quoi. Personnage qui gagnait 2-2 quand on perdait des points de vie, il faut l'utiliser avec les démons. S'il n'y a pas de démons, faut pas le prendre. Il faut regarder bien les classes qui sont, vous sont proposées au départ. Et comme ça, vous prenez un personnage qui vous correspondra le mieux, qui sera le plus performant, on va dire. Continuez comme ça. Pour la partie d'avant, il aurait fallu que j'aille directement au niveau 4 pour aller chercher la bête. Ça aurait été plus intelligent de ma part, mais bon, j'ai pas réussi. Bon bah ça se passe bien. En plus je suis à 37%, donc très très bien pour l'instant. Bon travail. Continuez sur votre lancée. J'ai bien envie d'y geler et je vais le garder. Je vais le geler pour prochain tour. Après, il faut que j'aille assez vite pour aller au niveau 3 après, hein, par contre. Continuez comme ça. Perdu, mais c'est pas dramatique. Parce que je suis arrivé à 76%, donc... pas dramatique du tout. Content de vous voir. Est-ce que tout comme se passe ça, comme ça. Je me nourris de votre... Il n'y a rien de dramatique pour l'instant. Après, je récupère le personnage le coup d'après et là, ça sera plus intéressant. Je vous souhaite un bon combat. Ah, super. Super.
travail. Continuez sur votre lancée. Oh purée. Prochain tour. Je vais tenter, hein, parce que ça fait 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec un peu de chance, je peux lui faire gagner deux fois plus 2. Avec un peu de chance. C'est jouable, hein, c'est jouable. Continuez comme ça. J'ai gagné beaucoup là. Et bah je me suis super bien débrouillé. Là je suis plutôt content. Vraiment content. Vous vous débrouillez bien. Donc là je vais continuer mon développement parce que c'est vraiment intéressant. Je me nourris de votre colère. Ah. Ah oui, quand même, que faire là? Parce que ça, il attaque tout de suite aussi. Prendre le risque comme ça. Je vais prendre le risque pour essayer de continuer ma petite escapade de +2/+2. Là, je me suis vraiment bien débrouillé. En plus, le dragonnet quand il arrive et qu'il meurt, ça fait un serviteur de plus. Donc continuez comme ça. Défaut, voilà. Là, il va falloir quand même que je me réveille, on va dire. Je pourrais pas survivre un plus loin à ça. Allez, c'est bon, rien. Ah bah là, ça arrive ça. Même au meilleur. Oh purée, bon. Je vais tenter. Oh, oh, vous passez à la vitesse supérieure. Ah! Bon, bah j'ai pas. Oui. J'avais pas prévu ça. Que la corruption s'étende. Euh,
Oui, mais c'était pas forcément ce que j'avais prévu du tout. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Ça va être très 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 compliqué. Temps perdu. Bon les amis, embêté, hein. Je suis embêté, c'est pas ma journée, j'essaie d'optimiser au maximum. C'est pas ma journée, on va dire. Qui ne vous alors, il y a pas, ça. Vous rend plus fort. Ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça. Bon, allez, on y va. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Là, je vais pas aller loin avec tout ça. Qu'est-ce que je fais? J'enlève lui. Et encore un client satisfait. Continuez comme ça. Oh purée. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, n'importe quoi. Bon. Ah, 96, c'est dommage. Eh ben, les amis, ça se complique toujours autant. J'ai pu changer le truc de côté. C'est dommage. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Ouh là là. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Je m'en sors pas, c'est pas une partie qui me convient, je m'en sors pas du tout. Bon.
Je vous souhaite un bon combat. Ça va être costaud, patate. Oh purée, pas lui. Eh ben, moi je perds de justesse, hein, mais pas de justesse. Je perds pas beaucoup, on va dire. Encore finir un nickel si ça continue. L'important, c'est de vite se remettre en selle. Et encore un client satisfait. Dramatique. Ouais. Je vous souhaite un bon combat. C'est une catastrophe cette partie, les amis. Y a rien qui va, c'est impressionnant. Impressionnant. Bon bah voilà, c'est fini. Hein. J'ai rien pu faire. Développement nul. Et mais tout a été nul. Rien impossible de construire suivant les. C'est impressionnant, impressionnant. Je crois que c'est l'une de mes pires vidéos, je pense, en termes de résultats. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, bah écoutez, bon tant pis les amis, c'est que partie remise, je peux pas faire pire en même temps, je ferai sûrement mieux la prochaine fois. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.